Es que se finí. Oui, Okay. oui. Très bien. Okay. On fait l'exemple première phrase. On est encore une affirmation. Il y a une phrase pour chacun. Liana, le numéro un. Oui. Je peux acheter Je peux acheter le sac. Numéro 2, Laura. le sac. Je connais la route. Oui, je connais la route. Trois, Joanna. Oui, j'ai l'ami au Japon. Oui, j'ai des amis au Japon. J'ai des amis. J'ai des amis au Japon. David, le numéro 4. Je regardé la météo de demain. Oui. Bueno, esta frase está en pasado. Yes. Yo regardé la meteo de mano. La frase está en pasado, ¿ok? Yo regardé la meteo de mano. Ángel. Lo número sano. Liana, le animamos sangre. Je pourrais te donner de información. De la información. Et voilà. J'ai pu te donner d'informations. OK. Nous allons faire un autre exercice différent. Aquí tenemos el exercice 3. En este ejercicio vamos a completar con el NER y el PA. ¿Eh? Como correspondan, NER y PA, respetando la estructura y la regla. ¿Ok? Entonces comenzamos, 5 minutos. Comencé el bucle.
Stephanie. Oui. Ok, bien. Donc, attention, todo el mundo va a participar. On va corriger l'exercice, mais tout le monde doit participer. Donc, bien, Liana, tu commences la première phrase. Ce n'est pas un garçon comme l'autre. Oui, les autres, aquí se unen. Hay que Les ya ir otros. uniendo palabras, una palabra con otra. Okay. No quiere decir que todo se va a unir, pero ya sí hay muchas que se unen. Ce n'est pas. Ce n'est pas un garçon, de hecho aquí se une, ce n'est pas un garçon con les autres. Prochaine phrase, Laura Pulido. Il ne mangeait pas de chocolat. Ok, très bien. Il ne mange pas de chocolat. De hecho, los franceses, cuando ellos pronuncian estas dos palabras, ellos dicen pas chocolat. Es como si se uniera. Il ne mange pas de chocolat. Hablan tan rápido que se une de esa manera. Eso es al oral. Il ne mange pas de chocolat. Joana, continue. Il ne prend pas le temps de réaliser des choses inutiles. Oui, des choses inutiles. David, continue. Il n'habite pas à Barranquilla. Très bien, en apostrophe ici. Il n'habite pas Barranquilla. Ok. Bien. Ángel, continúe la próxima frase. Bueno, Ángel como que no tiene micrófono o entraría a trabajar. Y bueno, vamos con el resto. Liana, continúe. Il ne passe biscuit ans. Repete la frase. Il ne passe biscuit ans. Repete la frase. Mira lo que están leyendo. Il na no ne Sí. passe this with us. Okay, repetir. Il n'a pas this with us. Okay, muy bien. Il n'a pas 18 ans. No pueden cambiar la letra. Si esta es una A, no pueden pronunciar una E, a menos que sea un diptongo. Il n'a pas 18 ans. Laura, continúe. Il ne parlait pas allemand. Très bien. David, continúe. Il n'a pas les cheveux longs. Très bien. Il n'a en apostrophe. Il n'a pas les cheveux longs. Él no tiene el cabello largo. Il n'a pas les cheveux longs. A ver, no sé si tenga micrófono, Daniela. Il ne va pas d'alcool. Ok. Il ne boit pas d'alcohol. Continue, Joana. Il ne travaille pas le week-end. Oui, il ne travaille pas le week-end. Prochaine phrase. David. Il n'étudie pas les mathématiques. Ok, très bien. En apostrophe, il n'étudie pas les mathématiques. Continue, Liana. Il n'adore pas le reggaeton. Oui, il n'adore pas le reggaeton. Laura, continue. Il ne regardait pas la tele.
Bien. Joana, continúe. Il ne va pas à la plage, Lady Match. Oui, il ne va pas à la plage le dimanche. Très bien. OK, attention, ce sont les réponses. À l'exercice, les réponses avec le nez et les pas. Ça, c'est bien, cool. Bien, une chose que je veux vous dire, par exemple, quand on utilise en français la négation, cuando utilizamos en francés la negación, ustedes saben que tenemos el ne y tenemos el pas. Atención. Al oral, los franceses, cuando ellos pronuncian una frase negativa, el ne pueda que lo eliminen. Al oral, eso se hace al oral. O al escrito, cuando son canciones, cuando son textos muy, muy informales. Es decir, yo puedo al oral eliminar el ne. También cuando hablan los jóvenes o hablan de manera informal. Por ejemplo, esta frase que transformamos, dime Juan, dice: Nos habitón a Madrid. No, Naviton va a Madrid. Yo puedo decir: Nos habitón va a Madrid. Puedo eliminar al oral el ne apóstrofe y digo: Nos habitón va a Madrid. Esto se lo digo simplemente para que lo conozcan, pero si de pronto lo ven y lo vean extraño, entonces para que lo sepan. Il non va a beber. Il son va a beber. Il ne coupa la radio. Il le coupa la radio. Tu ne voyages pas le dimanche. Tu voyages pas le dimanche. Vous ne travaillez pas le week-end. Vous travaillez pas le week-end. On ne regarde pas un film. On ne regarde pas un film. On regarde pas un film. Nous ne chantons pas la chanson. Nous chantons pas la chanson. Il n'étudie pas l'allemand. Il étudie pas l'allemand. OK? De esta manera, en forma de frase, avec la negación. ¿Se crea? Entonces, ustedes saben que hay diferentes tipos de lenguaje. Está el lenguaje estándar, que no es ni formal ni informal. Está el registro formal, cuando uno habla con alguien importante o cuando habla con alguien con respeto, que le dice usted, vous. O cuando habla de manera informal, que dice tu, tu. Y está el lenguaje callejero, que es mucho más informal que tu. Entonces, de esa manera se utiliza, digamos, la negación. Bien. On va passer por la negación, c'est bien. Nous allons passer au verbe de goût. On découvre quels sont les verbes de goût. Okay? Les verbes de goût sont des verbes que j'utilise pour indiquer les sentiments, les préférences. Pour indiquer les sentiments, les préférences, j'utilise verbe de goût. Voyons quels sont les verbes de goût. OK. On va regarder une vidéo. Nous allons regarder une vidéo. Attention, je vais chercher sur YouTube et vous allez voir quels sont les verbes de goût. Les verbes de goût, généralement, sont verbes réguliers. Profe, ese temita nos lo puede enviar por el WhatsApp, por favor. ¿Cómo? Que si nos puede ayudar con ese temita en el WhatsApp, ese sí no lo tenemos. Ok, bien. Entonces les voy a compartir al grupo de WhatsApp. ¿Esto ustedes llegaron hasta qué número? Yo tengo hasta la 15, profe, que usted mandó hasta el día 15, la que vimos ahorita, la de la negación. 15, ok. Entonces vamos a enviarle los otros. Atención. Vamos a buscar entonces los documentos que faltan. Merci. Ok, a ver, Plesia. Permítame un segundito mientras lo voy buscando. Ya tenemos 15.
que serían 16. Ok, atención. Bueno, eso es lo que son. Lo que le estoy diciendo ahora lo encontramos en el libro. Permítame ver, 14 sin 15, la negación simple. ¿Qué tenemos entonces hasta la negación simple? Vamos a ver. Bueno, hasta ahí están de manera individual. Los demás los tenemos en el libro. Esto de que le estoy hablando los tenemos aquí en el libro. Les voy a mostrar. Dale calle de no. Se hace dale calle de no. Fíjate en el libro. Entonces en el libro buscamos, aquí me dice la página 54. No los tengo individuales. Vamos a buscar la página Sancancate. Aquí tenemos la lección 15. La negación. Aquí está ejercicio. Ejercicio. Y el ejercicio, este fue el que acabamos de hacer ahorita. El que vamos a ver ahora, le veo a PDU. Estos que están aquí, tenemos estos verbos, por exprimir la preferencia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es 15, 16, 17 los trabajamos en el libro. ¿Ustedes tienen el libro? Uy, uy. Ok, bien. Entonces lo realizan directamente en el libro. Exprimer legu. ¿Ok? Guayón. Atendeamos más, ya les comparto. Ok. Bueno, les comparto aquí, atención, muy atento, la escuchan. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui sur French Cool TV, comme tous les jours, une vidéo pour vous aider à améliorer vos connaissances en français. L'objectif de notre vidéo aujourd'hui, ça va être de parler de vos goûts, apprendre à exprimer vos goûts positifs et négatifs facilement. Alors, on va commencer tout de suite avec les trois verbes de goût principaux en français. Ce sont les verbes aimer, détester, adorer. Le verbe aimer, vous pouvez l'utiliser dans des phrases affirmatives ou négatives pour parler de vos goûts positivement ou négativement. Par exemple, moi, j'aime écouter de la musique. J'aime bien la gastronomie française. Je n'aime pas le travail à temps partiel. Je n'aime pas du tout les personnes hypocrites. À la différence du verbe aimer, les verbes détester, qui est négatif, et le verbe adorer, qui est positif, peuvent uniquement être utilisés dans des phrases affirmatives. Par exemple, j'adore la peinture. Je déteste la compétition. Vous ne pouvez pas dire je n'adore pas ou je ne déteste pas. Ce n'est pas correct. Donc, rappelez-vous, le verbe aimer de manière affirmative. J'aime bien. Ou de manière négative, je n'aime pas, je n'aime pas du tout. Les verbes adorer et détester uniquement de manière affirmative. J'adore, je déteste. Alors, quand vous exprimez vos goûts en français avec le verbe aimer, adorer ou détester, la phrase peut avoir une construction différente. Vous pouvez faire suivre le verbe de goût par un nom. Par exemple, j'aime la musique.
mais vous pouvez aussi faire suivre le verbe par un infinitif. J'aime écouter de la musique. Cela fonctionne avec le verbe aimer, détester et adorer. J'adore le sport. J'adore faire du sport. Je déteste l'avion. Je déteste prendre l'avion. Vous voyez, c'est très simple. Vous pouvez exprimer vos goûts avec le verbe plaire, mais la construction de la phrase va être différente. Nous allons utiliser ça, me, plus le verbe. Par exemple, la musique, ça me plaît. Vous voyez, ici, je dois premièrement donner l'objet de mes goûts, la musique, et après mettre l'expression ça me plaît. Je répète, la musique, ça me plaît. Vous pouvez aussi utiliser le verbe plaire à la forme négative. La musique, ça ne me plaît pas. Ou ça ne me plaît pas du tout, si vous voulez exprimer un sentiment plus fort. Alors, de la même manière que pour les verbes aimer, détester et adorer, vous pouvez utiliser l'expression ça me plaît avec un nom, la musique. Ça me plaît, ou vous pouvez l'utiliser avec la préposition de et un verbe à l'infinitif. Un exemple. Ça me plaît d'écouter de la musique. Ça me plaît de faire du sport. Ça me plaît de partir en voyage. Vous voyez, c'est simple et vous avez beaucoup d'expressions différentes. Alors, maintenant, comme dans toutes nos vidéos, une question pour que vous répondiez dans les commentaires de cette vidéo. Et vous, quels sont vos goûts positifs et négatifs? Alors, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, vous pouvez le faire juste ici et de cette manière, vous recevrez toutes nos vidéos quotidiennes. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain. Ciao, ciao! Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, une vidéo. Bueno, ahí tenemos los verbos de gusto. Los verbos de gusto son los verbos de gusto. Que expresan, como dice, el gusto, lo que nos gusta, lo que adoramos, lo que no nos gusta, porque los gustos pueden ser positivos o negativos. Uno exprime el gusto de manera positiva o negativa. Veamos ahora, en otra explicación, a ver de verbo. A ver de verbo. A ver, el verbo de gusto. Ellos expresan Exprimer. cuando me gusta algo poquito, mucho, bastante. Hay verbos que expresan mucho más el sentimiento. Veamos aquí, impedito otra explicación, es un pedazo ejercicio. Segu. Expresar sus gustos. En este vídeo vamos a aprender a expresar nuestros gustos en francés. Para ello nos vamos a centrar en cuatro expresiones que van a ir de positivo a negativo. Vamos a aprender a decir que algo nos encanta, que algo nos gusta, que algo no nos gusta y por último que lo odiamos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que desde un punto de vista sintáctico, estas expresiones que vamos a aprender en francés no se construyen como en castellano. Cuando nosotros en nuestro idioma decimos que algo nos encanta o que algo nos gusta, ese algo es el sujeto de la oración. Por ejemplo, si yo digo que me encanta el cine, el cine es el sujeto del verbo encanta. O cuando yo digo que me gusta mucho la música es el sujeto del verbo gusta. Sin embargo, en francés hay que pensarlo un poco como en inglés. Cuando nosotros en inglés decimos que algo nos encanta o que algo nos gusta, nosotros somos el sujeto de esa oración. En francés es exactamente igual. Los verbos
que vamos a utilizar en estas expresiones son el verbo adorer, el verbo aimer, ese mismo verbo pero en negativa, es decir, ne pas aimer, y por último el verbo détester. Bien, pues cuando en francés decimos que algo nos encanta, utilizamos la expresión j'adore. Es decir, lo que hemos hecho es conjugar en primera persona el verbo adorer. Ya sabéis que el verbo adorer es un verbo regular del primer grupo, con lo cual la expresión se quedaría j'adore y significaría me encanta, cuando algo te gusta mucho. Por ejemplo, me encanta el cine. J'adore le cinéma. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el verbo aimer. Para decir que algo nos gusta, en francés diremos j'aime. J'aime. Por ejemplo, me gusta la música. J'aime la musique. J'aime la musique. Si ahora queremos decir que algo no nos gusta, como hemos dicho antes, vamos a negar el mismo verbo. El verbo aimer lo vamos a poner en negativa. Y ya sabéis que en francés la negativa siempre tiene dos elementos, uno delante del verbo y otro detrás. Con lo cual, no me gusta se dirá je n'aime pas. Je n'aime pas. Por ejemplo, no me gusta la violencia. Je n'aime pas la violence. Je n'aime pas la violence. Y por último, cuando odiamos algo, cuando algo no nos gusta nada, nada, vamos a utilizar el verbo détester. Y en este caso sí que la estructura sería como en castellano. Es el único caso en el que sintácticamente se construye igual. Nosotros somos el sujeto del verbo odiar, ¿vale? Por ejemplo, je déteste. Si yo odio las guerras, por ejemplo, digo en francés, je déteste les guerres. Je déteste les guerres. Y ahí veis, sintácticamente sí que se construye como en castellano. Les pronoms personnels sujet. Ok, bien. Attention. Ici, on a. Rexona clinical. Tres veces más. Bien. Ici, on a regardé une petite explication par rapport à l'utilisation des verbes de goût. Attention. Quels sont les verbes de goût en français? Donnez-moi des exemples de verbes de goût. Le verbe aimer, quel autre verbe? Adore. Adorer, quel autre verbe? Détester. Le verbe détester, très bien. Un autre verbe. Le verbe aimer, on peut le mettre de manière négative. Je peux dire ne pas aimer. Bien, on a le verbe aimer. Regardez. Le verbe aimer, le verbe adorer, le verbe détester, on a le verbe préférer. Ok? Si je mets le verbe de manière négative, je peux dire ne pas aimer. Évidemment, je dois suivre la règle. Par exemple, je n'odio. Digamos un ejemplo, yo no odio el béisbol. El béisbol yo no lo odio porque no me cae mal, pero no lo amo, no me gusta. Entonces no suena así como que tan fuerte, tan yo odio el béisbol, algo que no me agrada. No, porque no es así. Yo puedo ver un partido de béisbol, no tengo problema, pero en sí no me gusta, algo que no me gusta hacer. Entonces yo puedo decir, je n'aime pas le béisbol. Je n'aime pas le béisbol. ¿Ok? Simplemente no me gusta. O cuando no nos gusta comer algo, lo podemos comer, no, si preferimos no comerlo, no lo comemos. Es como por decir, a mí me gusta el pollo frito, pero el pollo guisado no me gusta. Entonces, me gusta el frito, pero guisado no. No quiere decir que lo odie el pollo o que lo deteste. Sí me gusta. Entonces, cuando es de esa manera, utilizamos le verbe aimer de manière négative. Je n'aime pas le baseball.
Je n'aime pas les baskets. J'aime